L'idée de la vidéo, c'est comment je fais pour faire le moins d'efforts avec le plus de résultats. Et bien sûr, la cellulite, si elle est là, c'est qu'il y a une défaillance dans le corps, hein, elle n'est pas là par hasard. Donc Sylvie, elle, ça fait plus de 20 ans qu'elle évolue dans le milieu du bien-être, elle vit aux États-Unis et elle travaille autant avec des thérapeutes que dans le secteur médical. Avant de vouloir se débarrasser de la cellulite, il est important de savoir quel type de cellulite nous avons. Donc, comme je vous dis, on va balayer un maximum d'informations de compilation de la vidéo par rapport à la cellulite et après, donc tout ce qui est nécessaire d'être fait, et après on va voir comment accélérer ça parce qu'il y a des nouveaux systèmes que tout le monde ne connaît pas et vous devez être au courant parce que c'est absolument génial. Donc, comme je disais, si la cellulite est présente, c'est un signal pour mieux prendre soin de son intérieur. Comme les problèmes de santé, ça vient dire quelque chose à propos de votre vie ou à propos des actions envers vous-même. Donc, première chose, évidemment, une alimentation saine et équilibrée, c'est fondamental. Saine et équilibrée, ça veut dire que 80% de votre temps, vous êtes au top et 20%, vous pouvez faire des écarts. Mais c'est important aussi pour prévenir la cellulite et pour l'éliminer. Donc l'idéal, c'est d'éviter les sucres et les produits industriels et tout ce qui est sel. Donc bien sûr, on en reparlera parce que le sel, on en a besoin, mais tout ce qui est industriel, c'est pas bon. Le sport pour diminuer la cellulite. Par définition, l'activité sportive, ça contribue à éliminer l'accumulation de graisse. Donc, le sport, c'est vraiment une base, le fait de bouger. C'est comme un traitement anti-cellulite, mais gratuit. Donc, certains exercices peuvent être recommandés. Donc, tout ce qui est HIIT, qui va travailler le cardio et musculaire, qui va tenir le corps, parce qu'on a besoin que le corps soit tenu en muscle. Le plus efficace, c'est avec la piscine parce qu'il y a des contre-efforts, donc tout ce qui est aquagym que vous pouvez faire seul, nager, toutes ces choses-là. Les douches froides, et oui, les douches froides, ça sert à tout, y compris pour la cellulite. Donc tout ce qui est bain dérivatif aussi, ça va aider. Donc ça, c'est vraiment des choses peu coûteuses que vous pouvez faire facilement. Et pour la circulation sanguine, il y a aussi le brossage à sec. Donc le brossage à sec, si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller regarder sur Internet. Vous avez les automassages, vous pouvez aller faire des méthodes de palper roulées chez les professionnels. Mais les jets de piscine sont extrêmement puissants et peu coûteux. Donc ça fait la même chose qu'un palper roulé. Il y a aussi la cryolipolyse, la radiofréquence. Ça, c'est très efficace, c'est très coûteux. Mais si vous n'avez pas réglé le problème de fond, en fait, qui est à l'intérieur du corps de déréglé, en fait, ça va revenir. Et fondamental de boire de l'eau de bonne qualité pour remplacer l'eau sale qui est bloquée dans la cellule. Donc, on peut prendre de l'eau de qualité. Donc, surtout, n'arrêtez pas de boire. Hein. Ce n'est pas parce que vous arrêtez de boire que vous allez plus avoir le corps qui se gorge d'eau. Au contraire, il faut juste renouveler l'eau. Donc, il y a la reine des prés qui est une plante vraiment géniale pour ça, le pissenlit et le marc de raisin. Généralement, les plantes ne suffisent pas, hein. Il faut agir sur plusieurs plans en même temps. Et surtout, éviter tout ce qui est huile essentielle, parce qu'en médecine chinoise, c'est très mal toléré par le foie et ça peut être toxique pour certaines personnes. Voilà, donc maintenant, je vais faire intervenir Sylvie pour parler d'Azéa, qui est un produit absolument génial que j'utilise depuis un certain nombre de temps, et toi aussi d'ailleurs. Et donc, on va voir même les photos avant scientifiques sur l'aspect de la peau et la cellulite et les cicatrisations. Voilà, Sylvie, je Eh te bien, laisse la merci. parole. Merci beaucoup, Gwendoline. Merci pour cette introduction. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Notre bien-être global ne dépend pas d'une chose. La bonne alimentation, faire de l'exercice, un bon sommeil, l'hydratation, tout ça, c'est excessivement important. Les brossages à sec, c'est fabuleux. Je vous expliquerai également pourquoi c'est fabuleux, surtout en correspondance, en travail, en synergie avec ce gel Redox qui s'appelle Renew 28. Alors, je veux tout de même préciser que je ne fais aucune proclamation médicale, hein. Nous ne parlons pas d'un médicament ou d'un traitement. Nous parlons uniquement d'une technologie, d'ailleurs un produit, qui va redonner le potentiel à votre corps de faire ce qu'il était supposé faire, c'est-à-dire détecter, réparer, remplacer les cellules endommagées, que ce soit internement ou externement. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Une chose que, donc,
Également, en Europe, je sais que vous n'avez pas le droit d'utiliser le terme redox affilié avec le nom ACA. Bon, ne me demandez pas pourquoi les réglementations dans les pays sont un peu bizarres d'un pays à un autre. Moi, étant des États-Unis, je vais utiliser le terme redox parce que bon, ben voilà, c'est le terme que j'utilise et qu'on utilise ici aux États-Unis. Donc, oui, alors, parlons de cellulite. La cellulite, ben oui, ce sont nous les femmes qui en avons hérité. Très rarement les hommes l'ont. Et il y a tout de même différents types de cellulite. Donc, on va te parler de la cellulite qui sont des lobules de graisse qui se mettent entre les muscles et la peau, qui vous font un peu… on appelait ça quand on était jeune une peau d'ange, hein, ou peau d'orange pour les petits bébés, c'est mignon comme tout. Mais en prenant de l'âge, c'est pas tellement élégant. Et ça, ça peut provenir de différentes choses. Il y a des gens qui en produisent plus que d'autres, mais ouais. Faire de l'exercice, même si vous n'avez pas beaucoup de temps de faire de l'exercice en profondeur, 20 minutes de marche tous les jours à une bonne cadence, je vais dire une marche active, hein, pas en faisant le lèche-vitrine, mais vraiment active, va pouvoir engager votre corps au niveau cardiovasculaire. Donc, parlons… Oui, alors j'aimerais rajouter une chose. 5 minutes de HIIT intensif, ça fait un effet spectaculaire sur le corps et les muscles. Même 10 minutes, 5-10 minutes, si vous n'avez pas le temps ou si vous avez la flemme, rien que ça, c'est énorme dans une journée. Donc, soit ça, soit la marche active, en effet. Et en plus de ça, Gwendoline, alors, je vais parler de deux produits spécifiques. Je vais vous parler d'un gel qui s'appelle Renovate 8, qui, ce gel, est absolument faramineux parce que c'est le gel qui a plein d'utilisations, c'est pas limité. Alors, il est commercialisé comme un anti-âge. Je peux vous dire que je vais avoir 63 ans cette année. Le gel, j'adore. Si je pouvais me baigner tous les jours dedans, c'est ce que je ferais. Et on a également, pour travailler de l'extérieur, le liquide. Alors, ça, c'est votre bouteille que vous avez en Europe. De l'intérieur. Voilà, de l'intérieur. Voilà. Ça, c'est la bouteille que nous avons aux États-Unis. Donc, vous voyez, il y a différents dépendants. Alors, par quoi tu veux que je commence? Par le gel ou le liquide? Alors, moi, j'aimerais bien qu'on montre l'étude scientifique avec la photo sur la cellulite pour qu'on voit de quoi directement on parle. Donc, il y a un laboratoire qui est en Allemagne qui s'appelle Dermatest qui a fait différentes études avec ce gel. Il a commencé d'abord, on a reçu 5 étoiles. On a reçu à les faire au niveau cosmétique. Donc, on s'est rendu compte que le gel lui-même va permettre d'augmenter la régénération cellulaire de 16%. 16% de la peau, ok? Rappelez-vous, la peau, c'est le plus grand organe du corps. Donc, 16% d'augmentation, augmentation de l'élasticité d'à peu près une 20aine de %, les rides, enfin, plein de choses. Également, augmenter le flux sanguin. Alors, pourquoi c'est important le flux sanguin? Parce que le flux sanguin va amener de l'oxygène. Donc, quand vous faites un brossage à sec, vous allez stimuler les capillaires, vous allez vraiment… c'est un petit brossage qui est un petit peu dur, mais après ça, vous mettez le gel ou vous prenez la douche et vous mettez le gel, ça va augmenter le flux sanguin, ça va amener également augmenter la circulation, aider le système lymphatique. Mais l'étude qu'a fait Dermatest, c'est qu'en 16 semaines, on a vu des diminutions des lobules de graisse. Et les lobules de graisse, qu'est-ce que c'est? C'est la cellulite. Voilà, mais quand je parle de lobule de graisse, ça peut être n'importe quel lobule de graisse. J'ai eu des personnes qui en avaient sur le front, elles les ont vues diminuer. Moi, j'en avais une au niveau du sein, parce que j'ai cru il y a une dizaine d'années que j'avais une grosseur, et on m'avait dit non, non, c'est une grosseur, c'est une boule de graisse. Et donc, moi, je m'étais mis du gel, on n'avait pas encore l'étude sur la cellulite, je mettais du gel sur la poitrine pour le décolleter. C'était un peu tout parce que j'avais des taches dues au soleil. Et quand j'ai refait mon test moi-même, parce que les femmes, vous devez faire ça régulièrement, eh bien, je ne trouvais plus cette lobule de graisse qui se trouvait sur mon sein. Et en même temps, l'étude est sortie. Je me suis dit, bon, j'ai mis les deux ensemble. Ça a pris à peu près 3 mois. Je n'ai pas regardé puisque le but de mettre le gel sur la poitrine n'était pas relié à ça. Donc, vraiment, ce que vous voulez faire, c'est appliquer le gel 2 fois par jour, généreusement sur les zones. Moi, je commencerai carrément à partir des pieds. Pourquoi partir des pieds? Parce qu'on va travailler aussi le système lymphatique en même temps.
et le système lymphatique, c'est les égouts de notre corps, c'est là où tous les déchets vont. Donc, par conséquent, boire beaucoup d'eau pour tirer la chasse, pour les éliminer est hyper, hyper important. Et une eau de qualité, c'est toujours mieux parce que ça va vraiment nettoyer. Utiliser le gel 2 fois par jour sur ces zones où vous voulez avoir et faire un brossage à sec avant, c'est génial. C'est absolument génial. Donc, quand tu dis sur ces zones où vous voulez avoir du résultat, donc en fait, le gel, il agit sur plusieurs points. Donc, l'aspect, il améliore l'aspect de la donc, on va le voir aussi avec le liquide parce que si la cellulite ou si vous avez une peau sèche ou déshydratée, qu'il y a des marques de fatigue ou de choses comme ça ou des ridules, en fait, c'est un symptôme aussi d'intérieur des organes. Donc, le liquide permet de remettre en place, de restaurer, de réparer tous les organes. Mais l'un des organes qui va être amélioré, l'un de nos plus grands organes, c'est la peau. Oui. Et ça, c'est visible de l'extérieur. Ça va être fait à l'intérieur, vous n'allez pas le voir. Et pourtant, quand vous voyez ce que ça fait sur la peau, ça veut dire qu'il y a du boulot de fait aussi à l'intérieur. Absolument. Moi, c'est ce que je dis toujours quand les gens me disent « Oh, je veux quelque chose d'anti-âge ». Je leur dis, il faut bien comprendre que la première chose où il faut s'occuper, c'est des organes intérieurs. Parce que ce que vous voyez extérieurement, c'est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Si vous avez beaucoup de rides, imaginez la tronche de votre foie. Okay. C'est la même chose. Ça va être plein de rides également. Donc, moi, j'adore que tout le monde veuille s'intéresser de l'apparence extérieure. Mais souvent, ce qui est le plus important, c'est de s'intéresser à ce que l'on ne voit pas. Parce que ce que l'on ne voit pas, c'est là. Quand on commence à le voir, c'est souvent trop tard. Ce soit des problèmes de dermis, des irritations cutanées ou des choses comme ça. Il faut bien penser que ce n'est pas arrivé d'un seul coup. C'est quelque chose qui s'est construit intérieurement, qui a encore commencé à envahir tout notre système sanguin, nos organes, et puis d'un seul coup, ça ressort. Donc, voilà un petit peu. Donc, oui. L'idée, c'est le liquide va agir sur la totalité du corps. C'est des molécules de signalisation. Et elle tient les molécules de signalisation, va agir en concentré là où vous l'appliquez. C'est-à-dire, si vous l'appliquez sur le visage, ça va agir là encore plus. Et si vous l'appliquez, par exemple, sur les fesses, là où il y a la cellulite, où il y aurait une cicatrice ou une césarienne, ça va agir en concentré encore plus dans cette zone. Et en plus, on peut l'utiliser sur des blessures ouvertes. Ça n'a pas besoin d'être déjà sur quelque chose qui est fermé. Alors, ce que je veux dire, c'est que ceci ne pourrait exister si le liquide n'existait pas. Donc, je vais revenir à ce petit commentaire de régénération cellulaire de 16% sur la peau, qui est le plus grand organe du corps. Si on considère que ça fait une régénération de 16% sur le plus grand organe du corps et que pour produire ce gel, il nous a fallu le liquide, vous pouvez comprendre ce que ça peut faire sur le plus petit organe de votre corps, que vous ne pouvez pas voir. Le résultat va être exactement le même. La différence, c'est qu'on ne peut pas le voir. Ce que je vais faire en même temps que tu parles, je vais partager les photos avant-après, parce que c'est vrai que c'est très... ça permet de… Alors, c'est pas ça. Non, je pense pas que c'est ça. je vais partager. Ce que je voudrais également préciser pendant que tu fais ta recherche, c'est qu'on parle d'un produit endogène parce que tu as mentionné, entre autres, que les huiles essentielles, pour certaines personnes, ça peut être toxique, il y a des choses. Alors, définis le terme endogène. Je vais définir le terme endogène. Les produits. J'explique endogène. Avant, si tu veux bien. Oui. Attends, avant, j'explique si tu veux bien. Donc, on a les produits naturels. Donc, tout ce qui est issu de la nature, c'est naturel pour l'ingérer, c'est bon pour nous. On a les produits qui sont innés au corps, ça veut dire qu'on fabrique. Et donc, tu parles de endogène. Voilà. Et c'est ça qui fait cette chose extraordinaire, c'est que ça, c'est un produit endogène. C'est-à-dire que votre corps le produit. Par conséquent, et ça, je trouve ça hyper important, c'est que vous ne pouvez absolument pas être allergique aux produits. Il n'y a pas d'interaction avec des médicaments. Il n'y a pas des interactions avec aucun traitement.
J'ai même des personnes qui ont eu des transplants qui prennent le produit. Ma petite fille, depuis la naissance, j'utilise le produit, en tout cas sur son fessier. C'est extraordinaire. Il n'y a absolument aucune toxicité. C'est complètement sûr. Il n'y a pas d'interaction avec des médicaments. On ne peut pas faire une overdose avec le produit, que ce soit le liquide ou le gel. La seule chose qui puisse se produire, c'est qu'on ait une crise de réparation, c'est-à-dire que le corps commence à faire le nettoyage. Et là, certaines personnes peuvent avoir une expérience plus ou moins désagréable, dépendant les personnes. Mais ça, c'est vrai avec tout. Du moment qu'on, si on fait un jeûne, on va avoir la même chose, c'est-à-dire que le corps va se débarrasser des déchets. Donc, le gel, pour moi, ça, c'est les deux éléments qui fonctionnent ensemble. En plus, on a une étude qui a été faite. Donc, il y a plein d'études. Si vous voulez des études, je peux vous charger. On a fait on des peut études. Les mettre. Ouais. Voilà. Si vous voyez un mail, on vous envoie toutes les études scientifiques avec plaisir. Il y a plein d'études qui sont en cours d'être publiées. On sait que ça augmente le glutathion, qui est le master antioxydant de votre corps, qui est là pour l'inflammation jusqu'à 60% en prenant le liquide et 40% en prenant le gel. C'est bluffant à la limite. C'est énorme. Mais tu parlais des graisses. Quand on fait de l'exercice, on va brûler les graisses, par conséquent la cellulite. Ce qu'on a démontré également avec les athlètes, beaucoup d'athlètes, c'est qu'en prenant de l'âge, notre métabolisme ralentit. Et ce qu'on s'est rendu compte pour les athlètes, qu'on travaille avec beaucoup d'athlètes professionnels, c'est qu'on va utiliser les graisses au lieu d'utiliser les sucres. Et quand on est âgé, on utilise plus les sucres que les graisses. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille, qu'on fasse de l'exercice beaucoup plus longtemps. Donc ça va augmenter directement le métabolisme de tourner et d'utiliser les graisses. Et pour ça, nous qui prenons de l'âge, c'est fabuleux parce que je vais travailler de la même façon, mais mon corps va savoir quoi utiliser comme énergie. On ne va pas utiliser les sucres, on va utiliser les graisses. Et c'est pour ça qu'on voit, sans que ce soit un produit qui soit destiné pour éliminer quoi que ce soit, enfin éliminer au niveau du poids, je vais dire, c'est pas du tout, mais on va voir des résultats avec la texture. Moi, de la... j'ai une personne qui a éliminé 3 kilos et son ventre s'est aplati en prenant Azéa. Mais c'est incroyable de perdre du poids. Je dis non, ça a régulé parce qu'elle avait des problèmes aussi hormonaux et on a fait la conférence sur la ménopause où on voit que Azéa, clairement, sur la ménopause, c'est imbattable, hein, vraiment. Et donc, elle m'a dit, j'ai perdu du poids. Je dis, c'est génial. Elle me dit, ça fait perdre du poids. Je dis, non, ça t'a régulé. Tu avais besoin d'une régulation parce que le corps était en dysfonctionnement. Et en fait, l'obésité arrive quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le corps. J'ai interviewé un médecin dernièrement spécialisé dans l'obésité et la prise de poids. Il dit, quand il y a une prise de poids, c'est qu'il y a une dysfonction. Et en fait, on a le problème pour moi. On a ACEA. Et c'est ça que c'est fabuleux parce que ACEA va aider. Et avec l'étude sur des expressions génétiques qu'on a fait en 2018, enfin qu'on a publié en 2018, on a étudié sur 5 gènes spécifiques, immunitaire, inflammatoire, cardiovasculaire, digestif et hormonal. Et on a vu des résultats assez surprenants au niveau de la réactivation, je ne dis pas stimulation, réactivation des gènes reliés dans ces zones. Et ça, c'est très, très important. On parle de réactiver le corps, redonner le pouvoir au corps d'une façon complètement endogène, contrairement à stimuler le corps pour arriver à quelque chose. Pour moi, il y a des dangers sur trop stimuler. Trop stimulé en détox, trop stimulé en accélérant le métabolisme. Il faut faire attention, on peut l'utiliser de temps en temps dans l'année, mais il faut quand même être raisonnable. On n'a qu'un corps pour le moment dans cette vie-là. Voilà, et c'est là la beauté de ces produits, c'est qu'on ne stimule absolument rien. On redonne au corps ce qui lui manque pour pouvoir mieux fonctionner. Tu donnais l'exemple de la petite guirlande. Je trouve que ça illustre très bien. Okay. Alors, comment ces molécules, elles fonctionnent, hein? Parce qu'il y a des gens… Alors, d'abord, c'est une solution saline. Alors, il y a plein de gens qui me disent « Ah, ben, je peux faire ça, je peux prendre un sérum. » Il y a un produit en Europe que vous avez en Europe qui est un sérum qui est fabuleux, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun apport nutritif. Il n'y a aucun oligo-élément. C'est carrément, on a pris, d'ailleurs, il y a une petite vidéo qui explique, vous pouvez faire un tour du centre de production. Donc, on prend une solution saline
Et par un système d'électrolyse, on va séparer les atomes pour les restructurer en molécules réductantes et oxydantes. C'est réducto et oxydant. Donc, pour les gens qui sont dans la science, regardez le cycle Krebs et comme ça, vous allez tout de suite comprendre. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on prend un petit gobelet qui est comme ça, je vais vous montrer, ça vient avec un petit gobelet, vous remplissez, vous le mettez dans la bouche et vous gardez le liquide pendant 15 secondes, 15 à 30 secondes. Vous passez autour là et vous l'avalez. Et comment ça se fonctionne? C'est absorbé par les muqueuses de la bouche. C'est un peu comme un interrupteur qu'on tourne. Et d'un seul coup, imaginez une guirlande de Noël. Vous la branchez, vous tournez l'interrupteur, la lumière s'allume. Toutes les petites lumières vont s'allumer l'une après l'autre. Imaginez que ces lumières soient vos cellules. Les petites lumières vont s'allumer et à un moment donné, je suis sûre que ça vous est arrivé, il y a une section qui ne s'allume pas du tout. Il y en a à peu près 5 ou 10. Et là, il faut s'amuser à toutes les essayer. Eh bien, notre corps, c'est exactement la même chose. Dès qu'on prend ce produit, on va allumer l'interrupteur, ça va envoyer l'énergie dans le corps, tout va s'allumer jusqu'au moment où ça ne s'allume plus. Et là, la dernière petite lumière, on va dire c'est une cellule, qui reçoit, qui voit « je ne peux plus passer le message », parce que c'est un message, elle va envoyer un message SOS au système immunitaire ou inflammatoire pour lui dire « Hé, j'ai un problème ». Et là, votre corps, lui, va faire son job de détecter, réparer ou remplacer cette ampoule, cette cellule qui ne fonctionne pas. Et lorsqu'on la remplace, eh bien, le message peut continuer à passer. En gros, ce n'est pas… Donc, alors, ça veut dire… Donc, il va peut-être réparer la cellule ou peut-être décider de la détruire, détoxiner et en recréer une nouvelle par rapport à, via une cellule saine. Donc, il va dédoubler une cellule saine. Exactement. Donc, il décide, soit il répare, soit hop, il détruit, il élimine. Et c'est ça qui est incroyable. Ça fait l'apostocèse. Et donc, également, ce qu'on a vu pour des personnes qui ont eu des problèmes cardiovasculaires. Donc, on voit des petits points… On va repermettre à enlever les déchets. Le corps va commencer à éliminer les déchets, à nettoyer, parce que rien ne peut être construit s'il y a des déchets ou des cellules qui sont mortes, qui font une interruption. Donc, c'est tout à propos de signal. C'est tout à propos de communication. C'est à propos d'énergie. Et on sait… Voilà, donc quand on dit signal, c'est qu'une cellule communique à une autre. S'il y a une cellule… Qui bloque et qui ne peut pas transmettre le message à l'autre, le signal n'est plus envoyé. Et en fait, notre corps, il est constitué de milliers de communications comme ça. Et c'est ça. C'est un peu comme votre téléphone. Hein. Si j'ai que 5 barres, j'ai une parfaite communication. Si j'ai 3 barres, vous n'allez peut-être pas entendre tout ce que je dis. Mais le monde est fait de communication. Entre nous, entre êtres humains, le passage du message est tellement important. Et c'est pour ça, souvent, je dis, les textes-messages, ça déforme un petit peu. On a une voix, il faut l'exprimer. Et le corps a une voix. Et cette voix, c'est ces molécules qui ont été pensées il y a très longtemps étant un déchet du mitochondrie. Et il a fallu attendre les années 90 pour découvrir que c'était fondamental pour la vie, en définitive. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ASEA a été créée. Parce que, en fait, à partir de l'adolescence, on ne produit de moins en moins de molécules de signalisation. Donc, le corps est programmé pour la dégénérescence cellulaire. C'est normal, il est programmé pour mourir. C'est des cycles. Oui. Donc, ASEA a été créée et quand on en boit, en fait, on récupère des molécules de signalisation au lieu de les perdre, qu'elles diminuent dans le corps. Alors, nous, je vais tout de même clarifier qu'on n'a rien créé du tout. Nous, ce qu'on a réussi, Redox, ça existe. Vous pouvez regarder, il y a l'Institut Curie, l'Université Curie qui a une conférence. Avant, c'était Pasteur, maintenant c'est Curie, depuis 26 ans. Sur Redox, sur l'homéostasis de Redox, sur les antioxydants. Ce qu'on a réussi à faire, c'est que la science n'a jamais réussi à faire, c'est de trouver la recette pour stabiliser ces molécules dans une bouteille, les stabiliser sans qu'elles soient activées. Elles sont activées au contact organique, au moment où vous les mettez dans votre bouche. Donc, elles vont être envoyées, comme j'expliquais, dans tout le corps. C'est non spécifique, c'est-à-dire c'est le corps qui décide où ça doit aller. Et c'est résistant au stress et à un bien-être général.
Mais ACA n'a rien inventé. On a juste trouvé ce que la science n'a jamais réussi à trouver. Et d'ailleurs, si ce n'avait pas été pour le fondateur de la compagnie Verdis Norton qui ait eu cette vision et cet amour de l'être humain, on ne serait pas là en train de parler. Parce que eux, ils y croyaient, ils n'ont pas lâché le morceau. Ils n'ont pas lâché le morceau. Ils y croyaient et ils ont failli se faire racheter. Exactement, parce qu'une grosse compagnie pharmaceutique, okay, de la côte Est, lui a offert à Verdis un énorme chèque. Parce que quand vous arrivez à faire quelque chose que la science a laissé tomber parce que ça ne valait pas le coup de rechercher, quelqu'un trouve une solution, ça gêne. À l'heure actuelle, on gêne parce qu'on est les seuls. Les produits naturels gênent. Oui, oui. Voilà. Et donc, il a refusé le chèque parce que la compagnie pharma lui avait fait comprendre que personne n'aurait accès à cette technologie. En définitive, ils allaient l'enterrer. Oui, parce que voilà, ce qui se passe dans la plupart des cas sur des chercheurs, que ce soit en physique quantique, en produits naturels et tout, ils rachètent et après, ils enterrent. Donc, c'est accessible pour personne. Ils détruisent tout. Et en fait, c'est pour ça que c'est vendu en cercle fermé, ASEA. Vous pouvez le trouver que sur Internet et via des liens spécifiques. C'est pour protéger aussi la technologie et que ça ne tombe pas en, voilà, en, dans n'importe quel lien ou qu'on ne puisse pas l'atteindre. Je vais pousser même un peu plus loin. Si vous voulez, comment dire, vous allez contacter Gwendoline, évidemment. Mais faites attention, on trouve tout sur l'Internet. Hein. Vous pouvez trouver des sacs Hermès à des prix toute concurrence. Mais non, c'est des vrais, c'est des faux. Donc, on peut tout trouver maintenant à l'Internet. Moi, ce que je suggère, c'est vraiment passer une commande au travers d'une personne qui est affiliée avec la compagnie. Et quelqu'un qui va faire… Le site officiel. Voilà, un site officiel. Alors, il y a deux choses. Il y a commander à travers le site officiel, c'est-à-dire pas sur des trucs, des gros sites où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, parce qu'on sait pas. Voilà. Et commander sur quelqu'un qui fait le suivi. Donc là, bon, on est sur ma chaîne, évidemment, c'est moi qui vais faire le suivi. Et moi, j'adore faire le suivi des gens. Je suis passionnée par le bien-être pour tous les individus. Mais voilà, pour ceux qui auraient envie de rechercher sur Internet, évidemment, il y a plein d'informations intéressantes à découvrir. Il y a plein d'informations. Et moi, j'ai toujours un grand plaisir de pouvoir répondre aux questions. On peut me trouver sur différents channels et demander à Gwendoline, parce que j'ai tout de même 10 ans de recul à utiliser ce produit et on pose beaucoup de questions. Mais pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, qui est la cellulite, qui est la cicatrisation, je dois vous annoncer qu'il y a une étude qui sera publiée d'ici peu où on fait encore plus de recherches sur le Renew 28 à propos des blessures, de la cicatrisation, des problèmes cutanés, pour avoir plus de certifications, tout simplement. Je partage par exemple une photo avant-après. Voilà. Et ça, c'est une Norvégienne. C'est une Norvégienne, voilà. Je la connais en plus. Pardon. Hop, je vois. Voilà. On parle de 21% de réduction de la profondeur. Ils disent des balades. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, balade en. C'est une traduction. C'est la traduction de. Les rides. Parce que souvent, D'accord. c'est traduit avec du français canadien. Ah, ok. Donc, 23% d'amélioration sur toutes les rides, amélioration de 20% sur l'élasticité. Et là, on parle de produits qui n'est pas de la pétrochimie. Parce que de la pétrochimie, on a déjà fait une vidéo là-dessus, c'est que ça vous repulpe, ça va chercher dans les profondeurs de la peau toute votre énergie de jeunesse et ça va repulper tout l'extérieur, mais à un moment donné, quand c'est sec en profondeur, la peau elle tombe vers 50-60 ans si on a toujours utilisé de la pétrochimie. Donc, on peut voilà, faut faire son choix, faut éviter quand même de trop abuser avec des choses toxiques. Et en plus, c'est filtré par le foie, enfin, c'est filtré dans le sang, ça va dans le foie et ça crée un foie gras. Donc, bon, on pourrait s'en passer de la pétrochimie, oui. En plus de ça, tu voulais dire quelque chose. C'est que ce gel fonctionne d'une façon complètement différente. La majorité des personnes se mettent quelque chose sur la peau et veulent quelque chose de résultat sur la peau. Ça travaille au niveau cellulaire. Donc, on travaille sur cette cellule, ça va pénétrer pour aller vers cette cellule. On sait également
que ça augmente 11% d'hydratation. Alors, les gens me disent des fois, oh, mais j'ai l'impression que ça tire. Parce qu'on n'hydrate pas la peau, on hydrate la cellule de la peau. C'est-à-dire, grande différence. C'est-à-dire qu'on ramène l'hydratation vers la cellule, qui est en profondeur, mais pas sur la surface. Ce que vous voyez, c'est déjà mort, de toute façon. Donc, c'est un travail vraiment en profondeur. Donc là, on voit pas mal de photos avec l'amélioration. On ne voit pas de photos, là. Ah, on ne voit pas de photos. Ah, mince. Non, moi, non. J'étais en train de… J'étais en train de regarder toute seule. Donc, je vais repartager ce que j'ai fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est plutôt un trait… C'est pas une crème hydratante. Voilà. Faut pas… après, il faut mettre son sérum et sa crème hydratante. Mais le Rénu 28, c'est plus considéré comme un traitement. Que c'est pas du tout une crème qui va hydrater, c'est pas son rôle, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas son rôle, c'est de la régénération. Alors il y a un autre petit tube que j'ai pas pris avec moi, qui est le sérum intense. Donc pour toutes les zones qui ont, on va dire que c'est un petit peu plus un challenge, hein, comme utiliser le sérum intensif Redox, un petit tube bleu. Je suis désolée, je l'ai pas pris avec moi. Moi, je l'ai là, mais il est dans ma salle de bain. Il est exceptionnel. Moi, j'ai des taches, parce qu'en prenant de l'âge, en ne s'ayant pas protégé avec le soleil, en prenant de l'âge, on fait ces taches de vieillesse, c'est des taches. Et j'ai utilisé, le gel marchait, mais pas aussi rapidement. J'ai utilisé le sérum et impeccable. Sérum, j'utilise autour de mes yeux, autour des lèvres, les endroits qui ont besoin d'un peu plus. Mais tout moi, le sérum, j'utilise partout, hein. Oui, ah ben le sérum, il est on parle du petit sérum bleu. Hein. Oui, le petit tube. Sérum... Ah, le sérum intense, Redox. Voilà. Voilà, on a des résultats. Vous voyez, il y a pas mal de photos. Donc, vous imaginez ce que ça fait. Donc, j'ai voilà le cou, par exemple. Là, il y avait pas mal de rides et elles sont complètement atténuées. Donc, ça, c'est au bout de 28 jours. C'est généralement au bout de 28 jours, oui. Ouais, là vous avez vu, alors là ça pourrait être apparenté à de la cellulite autour du piercing. Donc, ça on voit est grave une grossesse. Après une grossesse. Oui, voilà, après une grossesse. Donc il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup des photos, des. Et puis moi, ce que je suggère à tout le monde, quand vous utilisez le gel, amusez-vous à prendre une photo avant. Oui. Alors, ce qu'il faut voir, les résultats, là, c'est avec le liquide. C'est beaucoup plus performant quand on consomme le liquide en même temps. En synergie. D'ailleurs, toutes ces personnes dont vous voyez les photos, elles prennent également le liquide. Voilà. Donc, les résultats sont assez probants et c'est de la magie. Alors, le produit n'est pas magique, c'est très scientifique. Mais les résultats sont bluffants pour quelque chose qui est aussi simple, mais qui a un pouvoir incroyable sur le corps. Voilà, et donc on peut, ce n'est pas le sujet de la conférence, mais on peut parler de toute l'énergie qu'on gagne au fur et à mesure. Sur le liquide, en moyenne, il faut compter 3 mois pour voir un résultat sur le corps, parce que sur les articulations ou sur les douleurs, les choses comme ça. Et quand tu disais ça envoie de l'énergie, en fait, ça envoie pas de l'énergie comme la caféine ou comme du guarana ou comme la vitamine C. C'est pas électrique. C'est très doux et très diffus. C'est vraiment une énergie très douce qui se fait petit à petit, qui répare le corps. Donc, c'est vraiment rien à voir avec tout ce qui est stimulant. Hein. Quand je parle d'énergie, je parle, c'est comme de l'électricité. Ce n'est pas de l'énergie qui te fait courir plus vite, bien que ça va donner un surplus. Les gens vont trouver d'avoir plus d'énergie. Généralement, lorsqu'on prend le liquide, les premières 3 semaines, on va avoir un meilleur sommeil, une meilleure concentration, une sensation d'une plus grande sérénité et une récupération qui est plus haute. Maintenant, pour toutes les choses très spécifiques, parce que mentalement, on aimerait certaines choses, mais il faut comprendre que le corps, lui, il a ses priorités parce que notre corps est confronté constamment contre les éléments extérieurs. Donc, le corps va, lui, décider comment il va utiliser le liquide. C'est pour ça que j'aime bien le gel parce que le gel, par exemple, pour les gènes articulaires, le liquide va pas… Si vous avez un problème au pancréas, un problème de sucre, ça va travailler sur ce problème de sucre ou de trop de graisse ou des choses comme ça. Vous n'allez pas le sentir automatiquement. Donc, les gens disent « Ah, ça fait rien ».
Par contre, le gel qui est fait avec le liquide, le gel, on l'applique 3 fois en 5 minutes sur une zone de gêne. Parce que vous vous rappelez, la cellulite, ça va prendre à peu près 16 semaines pour vraiment voir des belles différences. Les cicatrisations, 28 jours. Les problèmes de peau, à peu près la même chose. Mais au niveau des gènes articulaires, dans les 10 minutes, on peut avoir une amélioration. Et c'est ça. Les mal de dos, les bleus, les piqûres de moustiques. Ah, génial. Moi, j'avais. Enfin, tout ça. Donc, il y a Sinat qui dit, y a-t-il des résultats sur l'arthrose, par exemple? Ben, je vais pas utiliser, on ne peut pas utiliser de termes médicaux. On peut pas, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce problème? C'est une inflammation. Okay, et ça provient aussi d'un problème auto-immune. Vous vous rappelez, j'ai parlé qu'on a travaillé sur 5 gènes qui sont reliés au système inflammatoire, immunitaire, cardiovasculaire, digestif et hormonal. Ça va travailler sur ces gènes qui sont reliés. En plus de ça, on a une étude qui a été publiée sur le NRF2, qui est une protéine antioxydante que le corps produit, qui résulte au glutathion. Et quand je vous dis que ça augmente de 60, et cette protéine, elle est reliée au système inflammatoire. Ça aide le corps avec l'inflammation. Donc, j'essaye de mettre, si on additionne toutes ces informations, et on sait que ça va toucher les os, qu'est-ce que c'est? C'est fait de cellules. Et quand on sait que Redox va travailler au niveau cellulaire, à détecter, réparer, remplacer, eh bien, ça va aider. Maintenant, à quel niveau, à quelle vitesse, je ne peux pas le dire. Parce que y a voilà, parce qu'on a tous des terrains différents, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui mangent plus ou moins bien, il y a des gens qui s'hydratent plus ou moins bien. Donc, on ne peut pas prévoir comment le corps va réagir. On sait juste que quoi qu'il se passe, ça va améliorer. C'est ça qui se passe, c'est que ça va améliorer. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, mais je ne me souviens plus. Mais également, en essayant… Pour toi de te rappeler, il y a quelque chose, souvent on dit qu'au bout de 3 mois, 90% des gens vont ressentir quelque chose. C'est pour ça qu'on donne un document, vous remplissez tout. Et généralement, vous commencez pour le liquide, par exemple, à 120 ml par jour, 60 et 60. Et ce qu'on dit, quand, si vous ne voyez pas de résultat, augmentez la prise. Il n'y a pas de danger. Moi, il y a des périodes, j'ai bu une demi-bouteille par jour, à une bouteille, dépendant comment je me sentais pour aider le corps. Mais ce que l'on sait, c'est que dès que vous prenez un gobelet, du liquide, dans les 20 minutes qui suivent, si vous faites une étude, une analyse de votre sang, il va être différent. Ouais, je vais partager le sang, je vais partager une vidéo. En fait, c'est au plus vous prenez d'Azéa, au plus vite ça répare. Au plus vous mettez de gel sur la peau, au plus vite vous voyez les résultats. Donc après, c'est une question de budget. Parce que voilà, tous les produits ont un coût, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand il y a une crise de détox, soit on continue, on fait comme si quand il y a un jeûne, il y a une crise de détox, on continue, ou soit on veut le vivre plus sereinement, on diminue un petit peu la dose jusqu'à ce qu'on soit confortable, et après on augmente pour aller nettoyer complètement le terrain, c'est-à-dire que tout ce qui arrive de désagréable dans le corps, douleur, mal-être, c'est de l'inflammation. Si vous avez compris ça, déjà, tout est inflammation. Donc, Azéa, ça va traiter tout ce qui est inflammatoire. Ça va aller là, à la priorité. Voilà. Ça va aller là où… J'utiliserai pas le terme traiter parce que ça a une connotation médicale. Ah oui, donc je retire. Ça va. Ouais, non, j'essaye d'être correcte parce que… Il faut qu'on fasse très attention aux termes qu'on utilise parce que on a un produit qui aide tellement de personnes. Il faut qu'on reste correct par rapport aux régulations. Donc, ça va apporter un support au corps qui va permettre au corps de faire ce qu'il est supposé de faire, mieux lutter. Alors là, c'est quelque chose, on a beaucoup de médecins aux États-Unis qui sont dans le milieu holistique, qui font des études sur le sang, donc leurs patients. Donc, si vous voyez sur la gauche, avant, before, c'est avant, voyez cette personne, voyez des choses fluorescentes qui ne devraient pas être là, voyez beaucoup de déchets sur l'arrière, voyez aussi les lobules de sang, les membranes sont très fines, elles ne sont pas très rondes, ça fait des petits paquets. Et après 3 semaines d'avoir pris le liquide, vous voyez déjà que l'arrière-plan est beaucoup plus clair. Vous voyez en plus de ça la vivacité du sang. Quand vous parlez d'un sang qui est plus vif, qui circule mieux, il y a un meilleur flux sanguin, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il transporte aussi plus de nutriments, qu'il transporte plus d'oxygène.
Puis regardez la qualité des lobules, comme elles sont bien rondes, la membrane est bien dessinée. Ce n'est pas translucide comme sur avant. Donc, même si vous ne le sentez pas, il y a quelque chose qui va se passer. C'est, après, c'est ça que j'adore. C'est uniquement avec 3 semaines. C'est ouais. Que 3 semaines, quoi. Et ça augmente l'oxygène aussi. L'oxygène, c'est juste incroyable. Les sportifs, ils vont en altitude, en montagne, pour doper, pour augmenter le niveau d'oxygène, pour être plus performants. Alors, bon, si, ils utilisent, certains utilisent ACA aussi, mais bon. Il y en a beaucoup qui utilisent ACA, le liquide, et le gel. Et le liquide, c'est parce que ça augmente leur VO2 max de 3% et leur ventilator threshold, c'est la limite de 12%, ce qui est énorme pour les athlètes professionnels. Mais pour moi, personnellement, je sais que je peux faire 3 heures de pickleball, je pourrais en faire plus. C'est juste que des fois, le corps n'arrive plus à suivre parce qu'on bouge sans arrêt pendant 3 heures. C'est comme c'est du tennis sur un plus petit court terrain, mais c'est tout de même très actif. Donc, voilà, c'est ça couvre. Je vois que tu as un produit dans les mains. Je vois que tu voulais parler. Ah oui. Le mood. C'est celui-là. C'est le Radiance. Ah oui, tu voulais parler du collagène. Il y en a un, ça c'est pour l'humeur, ça calme, ça détend, c'est génial. Le mood, c'est intéressant pour les femmes aussi. Pour le mood, oui, parce qu'il y a du safran, il y a de l'afron dedans. Alors ça, ce petit, c'est Radiance. C'est très à la mode, c'est pas un collagène, c'est un support. On parle toujours dans les principes redox. Et là, par contre, c'est pour activer redox, le fonctionnement redox dans des zones très spécifiques. En plus de ça, on a ajouté des ingrédients. Donc, on a pris des aminoacides pour les transporter en protéines de collagène humain. Mais dedans, on a mis aussi du céramide de riz. Et le céramide de riz, c'est exceptionnel parce que le céramide de riz garde l'hydratation de la peau. Alors, je vais vous donner un truc personnel. Et on va revenir à la peau du fait que quand on a de la cellulite, qu'on prend de l'âge, la texture de la peau change. Il y a tout qui change, à vrai dire. Et mon gros problème que j'avais, c'est que mes jambes étaient très sèches. J'avais l'impression d'être comme un lézard qui perdait sa peau. Et quand je mettais un pantalon noir, c'était embarrassant d'enlever le pantalon noir parce que j'avais comme des pellicules blanches dedans. Et j'ai tout essayé. Les huiles, les crèmes, les prix, j'ai dépensé des fortunes. Rien à faire. C'est l'âge qui fait ça, c'est la ménopause, il y a plein de choses. Au bout de 3 semaines d'avoir pris ça, plus rien. Et ça, c'est parce qu'il y a la céramide de riz. En plus de ça, dedans, ils ont mis du cuivre, ils ont mis du zinc, ils ont mis de la vitamine C à base d'orange, hein, et ils ont mis du delphinol. Sur delphinol, on a volagène pour l'aminoacide. Vous pouvez faire des recherches. C'est des produits qui ont eu des études faites dessus, qu'on a mis ensemble. Et le delphinol, c'est des baies de maquis. Et les baies de maquis ne se trouvent qu'en Patagonie. Et c'est des antioxydants qui ont plus de taux d'antioxydants que les baies de acai ou de goji. Mais en plus de ça, elles vont aider avec l'élasticité de la peau, elles vont aider avec donc, les rides, la texture. Elles vont également aider avec le métabolisme. Elles vont avoir un impact sur le métabolisme. Et 2 autres choses que je trouve extraordinaires, c'est qu'elles vont aider avec le bien-être de vos os. Il y a une étude qui montre avec la densité des os. Et ça, c'est hyper important quand on prend de l'âge. Et l'autre chose, c'est que ça va aider la longueur des télomères. Et la longueur des télomères, c'est un mot qu'on entend un peu parler, personne ne sait vraiment ce que c'est. Les télomères, ça va définir votre âge en définitive. Et les télomères, chaque fois que vos cellules se divisent, ils rétrécissent. Donc, arrivé à un moment donné, ils deviennent tout petits. Et plus ils deviennent petits, plus votre longévité de votre corps est limitée. Et donc, le but, c'est de protéger ces télomères. Alors, les façons de les protéger, c'est de faire beaucoup d'exercices. Mais quand on prend de l'âge, c'est moins facile. Donc, on va protéger ces télomères qui vont les aider à les garder plus longtemps, ce qui va faire que les cellules peuvent plus se diviser, ce qui veut dire que ça aide le processus de votre âge. Donc, on regarde à une longévité, pas en nombre d'années, mais longévité en qualité de santé. Ça explique que c'est bon? Oui, c'est parfait. Le radiance. Le goût est fabuleux. On a compris que Sylvie adorait le radiance. Bon, le mood aussi qui est intéressant. Donc, le radiance et le mood.
le liquide ASEA et le Renu 28, le lien est sous la vidéo. Le liquide ASEA nécessite un suivi. Donc moi, je vous suis évidemment gracieusement, je suis très très investie. Donc vous me contactez sur WhatsApp. Si vous achetez le produit, vous me contactez juste après pour que je regarde, ou même avant, pour qu'on regarde ensemble quels sont vos besoins, quel va être le plan d'action et surtout le suivi. Ça, c'est très très important. Ne restez pas seul, isolé. Moi, je suis vraiment complètement disponible pour ça. Et en dessous, le site, j'ai créé plusieurs paniers pour faciliter la commande parce que c'est pas toujours facile de commander. Donc, il y a différentes options. Et si vous y arrivez, enfin, si c'est pas l'option que vous aimez, ben, je vous referai un autre panier personnalisé. Voilà. Je te laisse continuer sur le mood. Oui, ben, le mood, il est extraordinaire parce qu'il y a les études qui sont faites sur l'ensemble du corps au niveau, on parle des femmes au moment de la ménopause, préménopause, les changements d'humeur, le stress. La femme arrive, on a tendance à brûler la bougie des deux bouts. Hein. On veut, en prenant de l'âge, continuer à fonctionner de la même façon, d'être aussi active, de faire 36 000 choses, d'être, comme on dit aux États-Unis, multitask, de faire un paquet de choses en même temps, mais on se rend compte qu'on n'y arrive plus mentalement et physiquement. Et donc, ça crée un stress. Et le stress, il faut bien comprendre que le stress, le liquide va être aider le corps à être plus résilient au stress. Et ça va faire également vous aider à baisser, à pouvoir mieux vivre ce stress. Moi, je le prends. Ça, c'est de la nutrition. C'est de la nutrition cellulaire. Ça veut dire que ça va nourrir la cellule. C'est un complément alimentaire. Donc, c'est comme l'alimentation, ça nourrit la cellule. C'est très différent d'ASEA. Endogène, exogène. Voilà, donc ça reste naturel, mais ça nourrit la cellule. Voilà, si on peut faire la distinction. Donc, il y en a deux autres qui sont le mood, qui sont l'énergie. Tout ça peut se mélanger ensemble. C'est des choses, moi, que je prends régulièrement. Moi, je suis pour moins prendre et avoir des choses qui ciblent vraiment mon besoin. Et j'ai trouvé que ces produits vraiment donnaient des résultats. Mon gendre, c'est bien, il ne parle pas français, donc mon gendre n'a jamais pu dormir. Et il a tout essayé. Et il prend ça. Parce qu'il y a aussi une étude qui démontre, après 28 jours, quand vous le prenez une heure avant d'aller vous coucher, ça va vous aider à vous calmer. Peut-être pas à dormir, mais à calmer le corps. Et ça, c'est hyper important. Enfin, je pourrais parler des heures de ces produits. Oui, mais de toute façon, faudrait qu'on. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une conférence sur les femmes enceintes et les placentas et les bébés, l'effet positif qu'a le liquide. Donc oui, j'ai vu que tu voulais qu'on parle aussi du masque ASEA. On va en parler. Juste, je voulais rebondir sur quelque chose. Les produits, on peut les commander avec moins 20%. Ça nécessite qu'il y ait un abonnement. Vous pouvez arrêter l'abonnement à tout moment, mais c'est un moyen que l'entreprise a trouvé pour fidéliser les gens. Donc, il y a 20% sur tous les produits quand vous êtes en commande automatique. Donc, voilà, c'est juste l'info que je voulais donner. C'est pas négligeable. Voilà, et il n'y a pas de minimum. Si vous voulez prendre juste un tube, vous pouvez changer, vous pouvez pousser de 3 mois. Il y a beaucoup, beaucoup de flexibilité. Ceci dit, voilà, les recommandations. Les recommandations, parce que en général, bon, pour une personne qui est en parfaite santé, on va utiliser une caisse, on appelle ça une caisse, c'est 4 bouteilles du liquide. 4 bouteilles du liquide ASEA. Bien souvent, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en parfaite santé, mais on commence avec ça, à part s'il y a quelque chose de grave ou quelque chose où on veut résoudre très, très rapidement. Voilà. Donc, on va augmenter le nombre de bouteilles. Mais ça c'est du cas par cas. On me demande souvent combien de tubes de gel je dois commander. Moi, personnellement, j'en utilise 3 par mois. Mais en moyenne, les gens en commandent 2. Ça fait 2, 2 et demi, voilà. Donc, avec cette information-là par rapport à vous, voilà, vous serez nécessaire pour vous. Également, ce que je voudrais dire, si vous démarrez avec le gel, le liquide, engagez-vous à le faire 3 mois. Ce n'est pas une pilule magique qui donne un résultat rapide. Vous n'êtes pas arrivé où vous êtes aujourd'hui du jour au lendemain. Il y a donc redonner. Ça veut dire que le corps ne s'est pas dégradé en 3 mois. Il s'est dégradé en beaucoup d'années. Donc, déjà 3 mois, lui donner une chance de 3 mois pour se régénérer, c'est très peu.
Mais voilà. c'est comme ça qu'on peut regarder si ça a une amélioration. Exactement. Donc, engagez-vous pour 3 mois et pour cette raison, prendre l'abonnement, ça a du sens. En plus de ça, vous allez accumuler des points de fidélité pour échanger pour des produits gratuits. Donc, il y a plein de petits avantages. Donc, quand il y a l'abonnement, ce qui est génial, c'est qu'on cumule des points. Et donc, tous les 3 mois, on peut avoir un ou plusieurs produits gratuits selon la quantité qu'on a commandé. Donc, on peut commander des Rénus ou le petit sérum ou des bouteilles. Donc, ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Alors, j'aimerais tout de même couvrir quelque chose à propos. Il y a des gens qui me disent « Oh, mais est-ce qu'on devient addict ? Est-ce qu'on devient accro de ce produit ?» Alors, c'est un peu comme tout. Quand vous allez à la gym… et que vous y allez pour retrouver votre corps parce que vous allez porter un petit maillot de bain, ok ? Du moment que vous avez atteint le poids que vous vouliez, les muscles que vous voulez, vous pouvez arrêter. Mais qu'est-ce qui va se passer après 1 mois ? Vous allez retourner où vous étiez avant. C'est comme pourquoi vous vous brossez les dents ? Vous n'êtes pas obligé de vous brosser. Vous le faites en prévention de caries. Bien, avec ce produit, c'est un peu la même chose. C'est un mode de vie. C'est quelque chose que vous donnez… C'est un cadeau que vous donnez à votre corps pour l'aider à mieux vieillir, à mieux… Bon, ça, je laisse les gens faire leur expérience. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent arrêter. Je dis, bah oui, évidemment, tu peux arrêter. Mais je sais qu'ils vont observer une différence dans leurs sensations, dans leur corps et qu'on doit faire nos propres expériences. Personnellement, je sais que tant que je peux me l'offrir, je me l'offrirai. C'est un essentiel pour moi. J'ai 3 essentiels vraiment dont je ne me passerai pas et ça en fait partie. Donc, en général, je laisse les gens faire leur propre expérience parce que il y a beaucoup à y gagner, à continuer. Mais encore une fois, on ne peut faire qu'une cure. Ça c'est comme moi. Mais normalement, c'est une continuité parce que le corps, lui, il met de vieillir et d'avoir des trucs. Voilà. C'est de la prévention. C'est un peu pourquoi on achète une assurance pour notre voiture. Est-ce qu'on pense avoir un accident ? Non, on fait de la prévention. Et ça, c'est de la prévention, en gros. Et je dois dire que j'ai eu des accidents, j'ai eu des fractures. Mon corps, je me lève le matin, je n'ai pas de courbature. Et ça, à 63 ans, c'est génial de se lever le matin sans avoir de courbature. C'est de plus en plus rare d'avoir des gens qui n'ont pas de douleur, des personnes qui ont 40 ans. Et qui me disent « Oui, mais c'est normal, c'est la vieillesse. » Je dis « Mais absolument pas !» Là, c'est un truc qui me révolte parce que moi, mon focus, c'est le bien-être mental et du corps des gens. Donc, je fais tout pour aider les gens dans ce sens-là. Et quand j'ai un proche de ma famille qui me sort un truc comme ça, ça me rend dingue parce que j'ai toutes les solutions. Donc, et bien souvent, ils ne veulent pas tester ces solutions-là. Et c'est moi, je n'accepte pas qu'on me dise s'il y a des douleurs, c'est normal. Je n'accepte pas qu'on me dise ça, c'est pas possible. Avec ce que je vois, c'est… Mais avant que j'ai pris ce produit, bien que je sois dans le milieu du bien-être pendant 20 ans, c'était la réponse. C'est normal, mon corps se dégrade, donc c'est normal que je commence à ressentir plus ci que ça. Mais après avoir pris Redox, je me suis rendu compte, non, on n'a pas besoin de souffrir. Oui. On va tout de même souffrir, plus ou moins. Attention, hein, c'est pas magique. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, quoi. Mais pourquoi pas le faire avec plus de douceur, plus d'élégance, plus… Moi, ce que je recherche, c'est la qualité de la vie que j'ai à vivre plutôt qu'une longueur de vie de mauvaise qualité. Et moi, j'ai des témoignages tous les jours par rapport à Azéa. Tous les jours sur les douleurs, qu'il n'y a plus de douleurs, sur les améliorations. Enfin, c'est tous les jours. Tous les jours, je reçois des SMS. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc, on termine rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes pour être dans les clous. On termine avec le masque que tu voulais nous partager, le masque Azéa pour être encore plus joli. Alors, ce masque, j'ai cru vraiment que c'était un bluff. Je vais vous dire franchement, tous les produits d'Azéa, je les ai testés parce que ça paraît trop beau pour être vrai. Et oui, moi, je n'étais même pas d'accord au début. Je me disais, non, ce n'est pas un truc que je vais tester. Et le masque de bentonite, c'est de la bentonite. Alors, vous avez ça, ça s'appelle du mortillon. C'est en fait, en définitive, c'est une cendre volcanique.
c'est l'argile qui est d'une cendre volcanique excessivement fine, qui est utilisée pour la médecine depuis très longtemps, aussi bien la boire. Donc, c'est une argile qui est gris-vert, qui est excessivement fine. Et où la chose est extraordinaire, c'est qu'on a réussi à la mélanger avec du redox. Donc, imaginez qu'on ait pris ça et de l'argile, on les a mis ensemble. Et les résultats au niveau de la peau, alors, le bentonite, l'argile va être un peu comme un aimant, va extraire, va attirer vers l'extérieur les métaux, les toxines, tout ça. Et redox, par derrière, va travailler sur la cellule. Et je ne sais pas, je t'ai envoyé des photos où je suis dessus, avant et après. Je ne sais pas si tu les as. Ah oui, je les ai. Je lirai un peu le message de Marie. Alors, oui, je vais te partager. Je te laisse parler. Pardon. Oui, moi, je l'ai essayé sur des amis. Quand j'ai eu le produit, qu'on m'a dit, ça faisait des choses extraordinaires, j'ai dit, il faut que j'essaye. Okay? Et donc, j'ai pris 4 de mes amis et on a fait le test. C'est-à-dire qu'on a lavé le visage, appliqué le gel et ensuite, on a appliqué le masque. On a attendu 10 minutes et le nettoyer. Et les résultats en 10 minutes, c'est absolument bluffant. Entre autres, ça aide avec les rides, ça aide à nettoyer les pores. Mais au niveau des petites rides, c'est… Alors ça, c'est avec le liquide et le gel. Voilà, c'est en bas. Après, descend encore un peu. Voilà, ici. Voilà. Donc ça, c'est ma photo que j'avais faite. J'y croyais pas, d'un seul coup, j'ai dit, tiens, je vais prendre une photo. J'avais pris une photo après, puis j'ai oublié. Mais voilà, la différence entre avant et après avec le gel, avec le liquide, oh, je m'embrouille, avec le masque à l'argile. Donc, on voit les marques autour un peu des rides au niveau du nez. Et puis, la plus bluffante, c'est celle de mon amie. Après ça, il y a Regan qui est ici, on voit au niveau de l'œil. Également, c'est beaucoup plus doux à ce niveau-là. Une seule fois, hein, on n'a rien fait d'autre. Donc, ça, c'est le masque. Hein. C'est seulement le masque. Je n'ai pas utilisé le Renouvate 8 après. Regardez, ça, c'est mon amie Debbie. Et j'ai pas voulu montrer tout son visage. Je lui ai demandé si je pouvais montrer son front parce qu'elle a un visage excessivement marqué. Et là, j'ai été littéralement bluffée. Parce que c'est énorme la différence. C'est 10 minutes. 10 minutes. Le masque, on le laisse poser 10 minutes. Ouais, il y a des gens qui le laissent moins longtemps. En plus de ça, on peut le mettre aussi bien si on a des petits boutons, des piqûres d'insectes, se le mettre sur les pieds. Il y a d'ailleurs une photo, c'est sur les pieds. Les hommes adorent mettre le masque également. Moi, ah oui, à la limite, pieds, je vais dire la vérité. C'est la même chose. Comme le Renouvate 8, si je pouvais me baigner dans le masque, s'il faisait un tube un peu plus gros, me baigner à un. Imaginez un masque de bentonite et redox ensemble sur tout le corps. C'est le rêve. Oui, non, mais tous les produits AZA, ils sont exceptionnels, hein, vraiment. Et quand je vois cette femme… Alors ça, c'est Rosie que j'ai rencontrée. Elle est décédée maintenant. Mais son fils qui 84 est ans, elle fait plus vieille qu'à 91 ans. Elle fait rajeunir à 91 ans avec le liquide AZA et le Renouvate 8. C'est assez stupéfiant. Et c'est pour ça que je dis, imaginez à quoi ressemble son pancréas, son foie ou des choses comme ça. Ce que vous voyez, son visage, c'est une réflexion. Si vous faites de la médecine chinoise, un médecin chinois pour avoir par rapport aux yeux qu'il y a des problèmes au foie, qu'il y a des problèmes aux reins, qu'il y a tout le visage crie l'inflammation dans le corps, la douleur. Voilà. Elle est morte à 14. On termine sur ça. Donc merci Sylvie pour le partage de tes connaissances. Merci à toi. Si vous connaissez déjà la chaîne, vous savez que je suis passionnée. Donc, je vais forcément partager des produits qui fonctionnent et j'en teste
énormément. Et en fait, il y en a très peu d'élus qui sont sur la chaîne, voire 3-4, voilà, c'est tout. Et c'est toujours les mêmes, en fait. Donc, qui ont multifonctions. Donc, les amis, je vous renvoie sur, soit vous me laissez des messages sous la vidéo, mais le mieux, c'est de contacter sur WhatsApp. Comme ça, on fait un bilan très précis. Que ce soit sur la détox, la perte de poids, tous les bilans sont gratuits. Et je vous pose une série de questions pour voir ce qui vous convient. Et voilà. Donc, merci encore, Sylvie. Non, merci à toi. Puis, merci d'être une magnifique ambassadrice pour ces petites molécules qui changent la vie des gens. Ah, c'est pas très compliqué. Ces produits sont exceptionnels. Donc, on vous embrasse fort, les amis. Et on se dit à très, très vite. Prenez soin de vous. Merci.